Ok, alors cette semaine, on va prendre la suite de la dernière interaction, qui était la belle brune avec les yeux verts que j'ai rencontrée à Opéra à Paris. Et donc là, on va poursuivre avec le rendez-vous instantané dans un café. Allons-y. You know what? I think we're ready for a pause. I think we walked enough. You sit here, I'll sit here. Cool. I think that's enough walking. This is so weird, but okay. Yeah, but it, you know, of course it is. But isn't that cool at the same time? A little bit. It's like 5 minutes ago I didn't know, now I do. Yeah, that's weird. You know. It's like the friends you have right now, at one point they were not your friends until you knew them. Ok, alors ça c'est intéressant. Elle m'a donné l'objection, enfin une sorte d'objection, c'est vachement bizarre tout ça, je suis en train de discuter avec toi, t'es un inconnu. C'est rare que cette objection-là perdure aussi loin dans une interaction, et on apprendra plus tard dans l'interaction, vous allez voir, que c'est probablement parce qu'elle est suédoise, et dans son pays d'origine, bah, ça se fait pas du tout d'avoir ce genre d'interaction dans la rue. Et par contre, je vais vous expliquer comment faire, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans la première minute d'une interaction, ce que j'appelle la minute de la mort, parce que la fille ne sait pas encore que vous êtes un mec normal. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est surtout pas rentrer dans sa réalité où elle pense que c'est bizarre, mais au contraire, rester dans la vôtre. Et ce que j'ai dit dans ce cas-là, c'est dit, quand elle a dit que c'était bizarre, moi j'ai dit, ah ouais, mais en même temps, c'est vachement sympa, non? Et donc voilà, je reste dans ma réalité que c'est vachement sympa de faire une rencontre comme ça. Et je lui rappelle, et vous pouvez le faire aussi, je lui rappelle que ses amis actuels, avant qu'elle les connaisse, c'était des inconnus. Ok? À quoi elle me répond « Ah oui, j'ai pas pensé à ça comme ça. » Donc utilisez-le. Allez, on continue. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu prends? Café. Et un coca. Merci. Café. No, because I arrived 2 days ago, actually. Yeah. So, what are you going to do when you're a big girl? Well, actually, I have worked in marketing communication before. Yeah. Yeah. But now, I still want to change completely. Yeah? So, wow. Yeah. Well, you see, there is exciting stuff going on in your life. School again. In what? I think I want to do chemistry, maths. No, I don't think so. Medicine, but not to be a doctor. Really? To be a nurse. Ok, alors ce qu'on voit là, c'est que en même temps qu'on s'est physiquement posé dans le café, bah, la conversation se pose aussi sur des sujets de la vie réelle, des sujets relativement concrets. Alors, ce n'est pas obligatoire que ce soit le cas, mais c'est en tout cas pas du tout étonnant. J'avais envie de m'intéresser au fait qu'elle allait changer de voie dans la vie. Elle voulait retourner faire des études. Je trouvais ça intéressant. Ça, c'est assez typique d'un rendez-vous, d'avoir des sujets qui sont un peu plus assis, comme ça, un peu plus posés. Ce serait moins le cas si on était sur le trottoir, debout. OK, on continue. Oh, OK. Wow. I could never do that. That's like, for me, it's one of the worst jobs in the world. I hate, how do you say, piqûre, injections, and blood. Ok. Alors là, la leçon, c'est il faut pas essayer d'aimer ce que elle aime. Ok. Simplement ici, j'ai pas inventé quelque chose. Je lui ai dit la vérité. Je voulais, par contre, mettre en exergue nos différences. Elle veut être, comment on dit, nurse, elle veut être infirmière. Moi, je lui dis, je pourrais jamais faire ça. Et d'ailleurs, c'est à peu près le boulot le plus cauchemardesque qui soit pour moi. Parce que qu'est-ce que ça communique sur moi, à elle,
que je ne sois pas d'accord avec elle. Ben, ça veut dire que je sais qui je suis, je sais ce que j'aime et je n'ai pas besoin d'aimer la même chose qu'elle. Donc, j'ai confiance en moi. OK ? On continue. Well, she'll come back. Yeah. Yeah, so how does that make you feel? You're completely changing life. Yeah. That's like pretty exciting. I'd be really excited. Yeah. I mean, I've changed life before and that's awesome. It was? Yeah, so how do you feel about that? I don't know. We'll see. I'm kind of nervous. Alors là, un petit outil conversationnel. Bon, j'ai coupé un bout de séquence parce que d'abord, il ne s'est rien passé très intéressant à commenter et ça va être un peu trop long sinon. Mais il y avait aussi un gros bruit ambiant, il y avait une ambulance qui passait et donc ça ne servait à rien de le mettre. Je lui dis, quand elle me dit ce qu'elle fait, je lui dis bah, qu'est-ce que ça te fait comme ressenti? Qu'est-ce que tu as comme émotion? C'est quoi ton ressenti quand tu fais ça? Et ça, c'est important pour avoir des points de rapprochement valables. Je dis des points de rapprochement valables parce que c'est des points de rapprochement émotionnels. On n'est pas sûr, ah oui, t'aimes ça et moi aussi j'aime ça, donc on est proche. Non, c'est, ah oui, tu ressens ces émotions-là. Moi aussi, dans d'autres cas, je ressens ces émotions-là. Ça nous fait un rapprochement. Par exemple, si une fille me dit, je sais pas moi, j'aime bien faire du cheval, de la course à cheval, un truc comme ça. J'aime bien faire du cheval sur la plage. Moi, je vais peut-être lui dire, ah oui, mais ça te fait quoi comme sentiment? Et elle va peut-être me décrire le fait qu'elle est entraînée dans ce qu'elle fait, qu'elle ne perçoit plus le monde autour d'elle, qu'elle est focus dans son activité, que la petite voix dans sa tête se tait. Et moi, je vais peut-être lui répondre, ah oui, carrément, je comprends ce que tu ressens parce que moi, je ressens la même chose quand je tourne sur un circuit avec une voiture de course. Et là, du coup, sur des sujets qui sont d'apparence très différents, un cheval à la plage et une voiture sur un circuit, bah, en fait, on a des points de rapprochement émotionnels. Ça, c'est des vrais points de rapprochement qui sont beaucoup plus intéressants que des centres d'intérêt communs. Vous voyez ? C'est un outil utile, ça. Comment tu ressens ça ? OK ? On y va. Hey, why don't you come here, because I'll hear you better. You've got a little voice. Cool. There you go. Awesome. Yeah, so you were saying. Ok, alors là, ce que j'ai fait, si vous avez vu, je l'ai bougé physiquement. J'aime bien faire ça parce que ça montre que j'ai confiance en moi. Ça lui montre que, encore une fois, je mène les choses. Voilà, viens par ici, mets-toi là. En l'occurrence, j'ai utilisé un prétexte qui était peut-être un peu fallacieux. C'était pour mieux l'entendre, pour mieux entendre sa petite voix. Ça, vous pouvez l'utiliser souvent. En l'occurrence, je pensais surtout à vous. Je l'entendais très bien, mais je pensais surtout à vous dans le micro. Peut-être que si je la rapproche de mon micro, vous allez l'entendre mieux. Et donc, je la positionne à côté de moi. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez toujours faire, toujours essayer de faire quand c'est possible dans le lieu, parce que vous ne voulez pas être en face à face comme dans un entretien d'embauche. Vous ne voulez pas cette dynamique-là, vous voulez être dans une dynamique qui est non classique, une dynamique qui, comment dire, qui sous-communique que vous êtes déjà proche, que vous vous connaissez déjà bien, donc vous n'en êtes plus à cette sorte de rencard formel en face à face où on se pose des questions. Non, et puis c'est mieux pour lui faire du toucher, pour parfois toucher son bras et plus tard peut-être toucher sa cuisse si c'est un dîner. Là, ce n'est pas tellement opportun dans la journée. Et c'est aussi mieux pour la conversation parce que en face à face, vous ne regardez pas les mêmes choses. Alors que côte à côte, bah, vous pouvez commenter tous les deux ce qui se passe devant vous. Ça vous donne des sujets de conversation naturels. Alors, après, j'ai coupé un bout parce que bah, ce n'était pas très important. On parlait de la Suède et sinon l'interaction va être trop longue. Et j'ai continué un peu en français pour tester son français. Alors, on y va. Je me mets sur le bon time code. Ok. Hi. Tu comprends bien le français? Et là, tu comprends ce que je dis. Je sais pas, sur une échelle de 0 à 10. Sorry. Sur une échelle de 0 à 10. Ton français, il est comment? I don't know what the échelle is. Ok, that would be 1.
I was asking you on a scale of 0 to 10, how is your French? It's not very good. It's like 1. Yeah. Yeah. Still, you speak other languages, so that's cool. Why aren't you taking lessons? Why? Well, yeah, you're here regularly. No, not anymore. Okay. I was. You got cross with your father? Sorry? You got in bad relationship with your father? He just moved here. Oh, okay. Oh, yeah. He just moved here in January. Yeah. So I was here in January. Mm. Okay. Yeah, you were lucky. Winter was not very cold this year. No? No. You don't care, you're Swedish. Yeah. You're like used to minus 20. I thought it was more cold here than it was in Sweden, actually. Well, maybe because it's wet. Yeah. I think so. So are you French or British? I am kind of both. Okay. Well, it's complicated. You would never guess what I am also. No, you see, that's what people say. But I guess I could be Swedish, couldn't I? But I'm not. No. I'm actually a quarter Algerian from Africa. Yeah, I know. Go figure, you know. I thought you would be like Slavic country or... Yeah, I know, but I am not the cliche that you think I am. Yeah, my grandfather is Algerian, so that makes me one quarter Algerian. And my dad is English, my mum is French. Oh, okay. But you know, I almost never go to England because my dad's got a place here, and so he comes regularly, and that's cool. I don't really like England. No? No. You look more English than French, I have to say. How dare you? That's all. Okay. La conversation là, je vous ai laissé, je sais plus, 2-3 minutes. La conversation, elle n'est pas très spectaculaire, elle n'est pas très scintillante. Et je vous l'ai laissé quand même parce que c'était pour vous déculpabiliser que c'est normal en rendez-vous de parler de manière normale. Parfois même ennuyeuse, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de parler comme un script hollywoodien super bien calibré. Parce que ce qui est intéressant, ce qui est en train de regarder la fille, c'est pas du tout les mots que vous êtes en train de dire. Elle est en train de surveiller vos micro-signes qui passent entre les lignes. C'est-à-dire votre posture, votre gestuelle, votre ton, votre regard, tout ça, c'est ce qui l'intéresse et c'est ce qui sous-communique, c'est ce qui lui révèle ce qui est à l'intérieur de vous et comment est votre état de croyance. Par exemple, regardez ma posture. Je suis incliné sur mon dossier, vers l'avant. Je ne suis pas tourné spécialement vers elle. Or, elle est tournée vers moi et elle est plutôt inclinée vers moi. Ça, c'est un indicateur d'intérêt. C'est ce genre de truc qui va compter plus que les mots. Okay ? Alors, on continue parce que là, il va se passer des trucs plus intéressants en termes de conversation. Simplement, je vais ouvrir donc la suite. I guess I like to have a common core, a core of friends, and then sometimes there's a new friend. Or maybe sometimes a friend leaves Paris, you know. Some people you meet just on the street. Yeah, you never know. But it's funny, because this is like so French. It would never happen like this. Really? No. Maybe that's why you looked so surprised. No. You were not surprised? No. Oh, because this is France? Yeah. All right. Okay. Well, actually, you're wrong. Really? Almost no guys would do that. Really? Yeah. Well, I'll take a bet with you. Yeah. You're here for another week, right? I don't know. Okay, a few days. Okay. It doesn't change the bet. My bet is that, look, you're an attractive girl. Okay. I don't think any other French guy is going to come and see you in the street like that. What? I don't think any other French guy will come and talk to you in the street. Really? Yeah, they would in bars. And in clubs and stuff, because that's like socially normal, acceptable. Okay. But they wouldn't really in the street. Except there's an exception to the rule. It's complicated. The exception to the rule is the bad kind of guy. I don't know how you say racaille. The kind of guy who comes from the suburbs.
and who like wear a tracksuit, you know, and with their trousers down, they doesn't count. With like rap music, okay. They will come and see you, but they'll be that like, doesn't count. Exactly, that okay. doesn't count. So that's my bet with you. Take a bet, okay? I can already say you're losing because it happened. I think this would happen more in Italy. Didn't it happen to you in Italy? All the time. But they're more like, hold on. In Italy, you almost have to fight with the guys. Really? Mm-hmm. Wow. Me and my, because I live with my best friend in Italy when I live in Italy. And every time you go to the club, you have to kind of get an argument with the guys because they are too pushy. Oh, yeah. But they're like that with everyone. Yeah. So it's not like, oh, I feel special because it's just. Yeah, like they won't take no for an answer. No. If you say no, they continue. Yeah, they continue. Yeah. In the end, you like have to be really rude, and when you're really rude, they get aggressive. Ah, yeah, yeah. So that's why French is a little bit reserved on that. Yeah. But it happened to me before that people come up in the street. Mm. That is not a rapper. In Paris. In Paris. Oh yeah. Yeah. Good for you. But I mean, that's what I say. Like in France, I know it's happening. Okay. It will never happen in Sweden. Yeah, I can imagine. For sure. But okay, what if I were in Sweden? And you would do that? And maybe they would call them. Would they like, Papa? Yeah. Really? Yeah. You will never. Or maybe the opposite. Maybe because no one does it there. Yeah. That's why it would work even better. You can try. I bet you that. I will if I'm in Sweden. I would love to see that. Yeah? Oh my god, you're scaring me now. If you walk to a girl in Sweden, I would like to see the reaction with her, because it will never happen. Interesting. It's like, how do you guys meet then? I don't know. I have no Is it like online? What? Online dating? It's starting to become very popular now, yeah. Yeah, I bet. But I have been thinking about that a lot, because I never a Swedish guy go to a girl. Yeah. Never. Really? Yeah. Well, like in a bar or a club? No? Sure. It's like, how do you guys reproduce? I don't know. I have been thinking about it too. Really? Yeah, because Swedish people, they're very reserved. Alors, on va commenter ça un peu. C'est intéressant. D'un point de vue sociologique, drague, parce qu'on a l'avis d'une Suédoise sur la drague de rue, et de sa perception, bah c'est tellement français. C'est-à-dire que elle m'explique, le Suédois va jamais, jamais, mon Dieu, jamais aller vers une fille, mais même dans un endroit où en France ça se fait, comme un bar ou une boîte. Et du coup, je me demande, je lui dis, mais comment vous faites pour vous reproduire? Et en privé, je me disais, bah ouais, c'est pas étonnant qu'ils aient un taux de suicide aussi élevé. Et elle m'explique qu'en Italie, bah, c'est un peu l'inverse. Ça arrive tout le temps qu'elle se fasse aborder dans la rue. Et d'ailleurs, c'est hyper relou parce que c'est un combat avec l'Italien pour le repousser parce qu'il n'a pas de calibration sociale. Il n'arrive pas à accepter qu'on lui dise non. Donc moi, ce que je vous dis, c'est de mettre le curseur au milieu. C'est-à-dire, vous êtes ni comme le Suédois qui est incapable d'aborder même dans un bar, et vous êtes ni comme l'Italien qui est insistant au point d'être lourd. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'être pas insistant, mais persistant. C'est pas la même chose. Parce qu'un mec qui est insistant, c'est quelqu'un qui ne sait pas décoder les signes sociaux. Alors qu'un mec qui est persistant, bah, simplement, il sait ce qu'il veut, et il va pas lâcher l'affaire. C'est pas pareil. Quand une fille lui dit vraiment non, il comprendra. C'est pas comme l'Italien. Ok. Alors, la fin de la vidéo est coupée, en particulier parce que bah, juste après, on s'est levé et j'ai perdu... Enfin, mon cadreur nous a perdu de vue parce qu'on a pris une petite route, une petite rue secondaire. Il nous a perdu. Vous n'avez pas loupé grand-chose parce que, bon, comme vous pouviez imaginer, ça s'est fini en échange de coordonnées. Comme elle n'avait pas de téléphone qui marchait en France, bah, c'était échange de coordonnées Facebook. Et en conclusion, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, ce rendez-vous instantané, c'est qu'un rendez-vous, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Et c'est normal, donc déculpabilisez-vous. La deuxième chose, c'est qu'un rendez-vous, ça n'est pas un entretien d'embauche. Donc attention à votre posture, et les sujets ne sont pas importants.
parce que le feeling passe à 93% par d'autres canaux, par des micro-signes. Donc, entre les lignes, ça passe pas par les mots. C'est un peu comme quand on dit à une fille « bah viens, on va boire un verre ». Le verre, c'est juste un prétexte. Évidemment, vous n'y allez pas vraiment pour le plaisir de boire un coca ou même un whisky coca. C'est pas ça, c'est un prétexte. Et la conversation, c'est pareil. Les mots que vous êtes en train de dire à la fille, c'est un prétexte. Elle s'en fout des mots, comme elle s'en fout de ce qu'il y a dans son verre. Ce qui l'intéresse, c'est votre foule de micro-signes, les 93% qui vont conditionner l'impression qu'elle aura de vous. OK ? Et je vais terminer sur un petit point qui n'est peut-être pas un point de détail. Qui paye dans un rendez-vous ? Alors là, évidemment, j'ai payé parce que c'est toujours l'homme qui paye, sauf si vous êtes face à une femme qui... Vraiment, c'est dans ses croyances qu'elle n'a pas envie que l'homme paye parce qu'elle a l'impression quelque part de se prostituer, elle a l'impression d'être redevable envers l'homme et donc elle n'a absolument pas envie de ça. Mais bon, il faut vraiment qu'elle insiste deux fois, trois fois. Si elle insiste comme ça, vous la laissez payer sa part. Mais sinon, dans tous les autres cas, vous payez sa part. C'est normal, ça fait partie du rôle social de l'homme et c'est plutôt charmant comme ça de différencier les sexes comme ça. Parce que même si les sexes sont égaux, ils ne sont pas identiques pour autant. Et en plus, enfin, quoi de plus normal ? Vous êtes le meneur là-dedans. C'est vous qui la rencardez, c'est vous qui décidez où est-ce que vous allez et donc combien ça va coûter quelque part. Et donc c'est juste normal que vous assumiez et que vous payez pour les deux. OK ? Alors, on se reparle la semaine prochaine. Vous avez aimé ? Vous voulez faire pareil ? Aborder, draguer et sortir avec les filles qui vous plaisent ? Le raccourci pour y arriver rapidement, c'est de regarder puis copier quelqu'un qui sait déjà le faire et qui vous montre exactement comment faire. Recevez toute la série Drag Replay de mes caméras cachées commentées en cliquant sur le bouton. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas.